On va peut-être augmenter les trucs là. Ouais, j'ai quand même pas mal. On va augmenter la boisson. Mais les courses, je me demande si c'est le truc maximal ou si c'est l'argent qu'on récolte. Coton on teste. Hein. Ah ouais, voilà, ok, c'est ça. Juste on rajoute un zéro. Bon, ça va, en vrai on est bien quoi. Vue magnifique, dommage qu'elle soit gâchée par ce navire échoué. Quelle vision désolante, hein. Eh, regarde. Qu'est-ce ce signe étrange tracé au fond de la mer? On dirait un immense croissant de lune ou un truc du genre. Sa forme est trop parfaite pour n'être qu'un récif de corail. Eh, de quoi nous parler au sujet de la tourelle de la lune? Voulait-elle parler de ça? Bon, que disait-elle déjà? Ici, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Je me demande s'il est sûr de marcher sur ce lagon. Ah, c'est beau, ça fait les chutes du Niagara. Charme de conjuration. Le navire naufragé. Cette porte a l'air maudite. Ils l'ont sûrement scellée pour empêcher les voleurs d'entrer. Je n'avais jamais vu une malédiction aussi puissante. J'espère que ce navire n'est pas hanté. De toute façon, ce truc ne va pas être facile à dissiper. Amaterasu. Vous êtes déjà arrivé? Désolé d'être en retard, mes obligations m'ont retenu. C'est le navire au trésor dont tu parlais? Oui, la peau du renard que recherche la reine Miko est ici. Ce navire a été coulé par le dragon des mers et regorge de démons. Mais mes pouvoirs sacrés peuvent affronter une douzaine de yokai. Pas de quoi s'inquiéter. Allons-y. Pas de problème avec moi.
Mais et cette porte maudite, on en fait quoi? Elle a été scellée pour bloquer les pierres? Ou alors c'est la malédiction des morts lorsque le dragon a coulé le navire? Cet endroit regorge d'un intense pouvoir maléfique. Il y a donc une porte maudite pour empêcher quiconque de passer. Je vois, joli toit. Exact, on ferait mieux de trouver une autre entrée. Hein? Le moment est venu d'unir nos forces à Amaterasu. On trouvera d'autres barrières scellées par magie à l'intérieur. J'utiliserai alors un charme d'incantation pour briser le sceau. Si je puis me permettre. Bien, Amaterasu, j'utiliserai les charmes d'incantation, mais j'ai besoin de ton aide pour viser. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai rien de difficile. Je vais manipuler le pinceau divin, j'imagine. Utilise-le pour guider les charmes d'incantation de ma main à la cible. Commençons par la malédiction bloquant la porte, vois-tu? Fantastique! Tant que je possède mes charmes d'incantation, nous n'y craignons rien. Pas même les yokai. Assez d'entraînement pour aujourd'hui. Un grand trésor nous attend. Récupérons la peau du renard. J'aurais dû imaginer qu'il y avait une sauvegarde ici en fait. Oh, t'as vu tous ces coffres? On va être riche avant d'avoir trouvé cette peau du renard. Ouais, mais ça pue le piège. Non, même pas. L'envoyé céleste. Oh purée, quelle arnaque. Ok, d'accord. Wow, 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 wow. J'ai failli m'en payer sur un pic. Wow, wow, wow. Mais non.
What the fuck? Oh, des crabes. Ah, c'est vrai que je mourrais d'envie d'affronter ce genre de truc. N'est-ce pas magnifique? Même la lumière des étoiles pénètre dans ce navire détruit par le dragon. Mais l'intérieur du navire ne s'illumine qu'à la nouvelle lune. Au lever du soleil, les eaux glacées inondent le navire. Oui, ce navire a subi un cruel destin. Est-ce que c'est une incitation pour me dire que c'est la merde si jamais il fait jour? Ah, peut-être que justement... C'est impossible, ça ne peut pas être déjà l'aube. Non, ce n'est pas possible. Serait-ce ton œuvre, Materatsu? Tes pouvoirs peuvent contrôler le mouvement des cieux. Oh, vise un peu, ce truc est énorme. On dirait une monstrueuse balance ou un truc du genre. À quoi ça pourrait bien servir? Il n'y a de poids que d'un côté. C'est ce que j'appelle une balance déséquilibrée. Non. Oh non, le retour de ces crabes à la con. Là. What? Ah! Ah! Ah merde! Comment on bat ce truc? Oups!
comme ça, je suppose. Ah, vu que ça fonctionne. Vu que ça fonctionne, tant qu'à faire. Pourquoi s'en priver? Par là sûrement. Noce sacrée. Les gens apprécient toujours les niveaux avec avec un, comment on appelle ça, avec un, avec de l'eau, genre le fameux temple de l'eau, hein, que tout le monde apprécie. Ok, donc là il va pas mieux viser. Parfait. Du coup, j'ai 3 fragments. On peut dire que j'ai mon premier réceptacle de cœur. Bon, lui, pour le régler, à mon avis, ce sera bien après. Ben, j'ai pris cher avec ce bâtard. Mais dégage! What the?
aïe, aïe, aïe. Il est immunisé visiblement. Statue de singe. Mince, je suis en l'eau. Wow. Oh merci. Sympa. Sympa le gars. Trop sympa. Merci pour tout. Là, on en revient en arrière, ok. Mince. Ah oh bah ça fonctionne. Aïe. Il est très moche. Hein. Il est pas sensible au truc des yokai, ok. Ah, je me disais.
rentrer? What the... Mais... Oh, le jeu qui se veut un peu creepy là. Ah, un maillet porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin quelque chose d'intéressant. Attends, c'est un maillet porte-bonheur. Qu'est-ce que tu cherchais? Il peut rétrécir les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent si petits qu'ils peuvent passer par le chasse d'une aiguille. Un objet avec de tels pouvoirs est certainement un grand trésor. Mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux prières de Inko. Hmm. Quelqu'un d'autre a parlé du chasse d'une aiguille récemment. Ah oui, c'est ce prophète à la noix. Je te souviens, il a dit un truc du genre « Même la plus solide défense a un petit trou comme le chasse d'une aiguille. » De quoi pouvait-il bien parler? Amaterasu, on dirait que ce que je cherche n'est pas sur ce navire. Malheureusement, nous devons partir sans. L'océan est immense, tu trouveras bien ce que tu cherches. Peut-être. Mais naviguer sur les mers, maintenant c'est du suicide. Enfin, tant que le dragon est dans les parages. Mince, encore ce dragon, tout le monde en parle. Ce dragon des mers dirige la péninsule de Ryoshima ou quoi? N'oublie pas qu'on a le capitaine Hama avec nous. Bah, retournons réfléchir en ville. J'en ai assez de ce navire. Pas trop, moi. Il a résisté? Une perle, parfait. Pauvre Amaterasu. Hein? Tu ne peux pas nager plus vite, Amaterasu? Ah, t'es un peu grosse, hein. À quoi donc t'attendais-tu? Ama est un loup, pas un hors-bord. Attends, je comprends. Tu es pressé d'aller aux toilettes. Non mais non, putain, mais quel débile. Mais c'est pas possible d'être aussi con. T'encombre pas de pudeur. Il n'y a que la mer tout autour de nous. Et personne pour regarder. Attends, mais... Non. Tu ne comprends donc rien. Cette agitation dans les vagues. C'est le signe qu'il arrive. Oh shit. Nous n'avons aucune chance s'il nous attaque ici. Nous y revoilà. C'est encore ce dragon des mers. C'est bien ça. Alors nous lui réglerons son compte en une seconde. Il regrettera le jour où il nous a croisé son chemin. Ouais, il nous a croisé sur son chemin. Ouais, alors. Ouais. Non, peut-être pas quand même. Que quoi? D'où vient cette chose? Oh. Ah ouais, tu pouvais faire ça depuis le début, toi. C'est ça, le dragon des mers. Ouais, c'est Kaido. Hein. Attention. Oh shit. Ah, mais je dois le combattre? Non, je dois pas le combattre.
Ah bah oui, logique. Ah bah il nous a ramené sur la... Hein? Où sommes-nous? Nous ne sommes pas... Oh mon Dieu, je suis trop jeune et beau pour mourir. Après réflexion, nous sommes peut-être juste échoués sur la côte. As-tu vu ce qu'il nous a attaqué? C'était carrément énorme. Mais que diable cela pouvait-il être? Personne ne m'avait prévenu qu'un truc de ce genre rôdait par ici. Oh, putain. Et l'autre fille, elle s'est volatilisée sans nous. Je lui donnerai de quoi réfléchir la prochaine fois que je la croise. Oh, t'es vraiment le pire, toi. Ah, c'est le maillet qui nous a sauvés. Ce maillet s'est juste enfui de lui-même. Ouais, je déteste voir un trésor s'enfuir sous ma barbe, comme ça. Courons à sa poursuite, alors. Non, trop bien. Il est rapide, le maillet. Évidemment, c'était un signe pour nous dire, bah, revenez à l'endroit. Ah oui, parce que là, ouais, voilà, il nous attend.